sur la commune de Montoire de Bretagne, au centre de logistique IDEA, l'association Pornichet Sénégal a envoyé lundi 17 décembre un conteneur rempli de matériel médical et scolaire à destination de Thiès, deuxième ville du Sénégal. Tout ça, ça va dans une école. Il y a beaucoup de matériel pour un hôpital aussi. Plein de choses, quoi. C'est le problème, c'est les ranger là-dedans. Aujourd'hui, on est présent ici pour envoyer un conteneur au Sénégal. Avec Yves Guillard ici présent, qui est le président de l'association Pornichet Sénégal de Pornichet, donc, où nous avons, vous voyez, derrière moi, offert à l'association pour livrer ça au Sénégal tout un tas de matériel. Alors vous allez pouvoir voir derrière des chaises qui viennent de certaines écoles de la commune de Pornichet. Et puis également des masques médicaux que l'on avait. Et puis des gants à usage unique et des produits pour le nettoyage des mains. Là, c'est la continuité du premier conteneur, l'échange qui a été fait avec l'hôpital de Thiès. Donc on a envoyé une ambulance et maintenant c'est aperçu qu'il manquait énormément de matériel. Donc tout le matériel qui part, les 60 mètres cubes, là, c'est du matériel qui va à l'hôpital. Donc il y a des lits médicalisés. Donc, comme disait M. Robin, énormément de matériel qui est vraiment utile là-bas, puisque c'est du consommable et ils en manquent énormément. Donc ici, il y a 150 couvertures, autant de draps, lits médicalisés, vêtements. Et donc, c'est pour continuer dans l'action de l'hôpital de Thiès. Il faut savoir qu'un conteneur, ça coûte quand même 3000 euros. Donc, heureusement qu'on est sponsorisé et la municipalité de Pornichet a toujours aidé l'association depuis 25 ans.